nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Sœurs et frères bien-aimés, préparons-nous à célébrer l'Eucharistie qui est le sommet de notre vie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, accorde à ton peuple d'attendre avec une grande vigilance l'avènement de ton Fils unique. Puissions-nous, comme l'enseigne notre Sauveur, rester en éveil et nous hâter à sa rencontre avec nos lampes allumées. Lui qui vivrait avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 48, les versets 17 à 19. Ainsi parle le Seigneur, ton Rédempteur, Saint d'Israël. Je suis le Seigneur, ton Dieu. Je te donne un enseignement utile. Je te guide sur le chemin où tu marches. Si seulement tu avais prêté attention à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve, ta justice comme les flots de la mer. Ta prospérité serait comme le sable, comme les grains de sable, ta descendance. Son nom ne serait ni retranché, ni effacé devant moi. Parole du Seigneur. Méditons dans le psaume premier et nous répéterons. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie ensemble. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit ensemble. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps. Et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira.
Tel n'est pas le sort des méchants ensemble. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra ensemble. Marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Mettons-nous debout pour l'acclamation à l'Évangile. Alléluia, 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 le Seigneur nous appelle. Alléluia, 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 il est là, il nous attend. Le Seigneur vient, allez à sa rencontre. C'est lui, le prince de la paix. Alléluia. Proclamons tous ensemble au sein des esprits. Acclamons tous ensemble le Seigneur des lieux. Alléluia. 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 Le Seigneur. Seigneur en soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Chapitre 11, du verset 16 au verset 19. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules: à qui vais-je comparer cette génération? Elle ressemble à des gamins assis sur les places qui en interpellent d'autres en disant: nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. Jean est venu en effet. Il ne mange pas, il ne boit pas, et l'on dit, c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et l'on dit, voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais la sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce qu'elle fait. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 le Seigneur nous appelle. Alléluia, 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 il est là, il nous attend. Nous, dans 2023, 2000 ans après, jugement, Jésus t'est fait et t'est ouais, t'est gagné sous génération parlant. Nous, 2000 ans après, c'est pratiquement même génération que nous gagnons. Qui génération? Nous pourrons aller dans temps Jésus pour nous capables de garder tant par nous. La génération de Jésus, pour nous, ouais, génération 2023. Génération Jésus, hein, c'est une génération qui capricieuse, une génération qui instable, une génération qui pas fait compliment, mais plutôt qui décourage les gens. Une génération qui a cherché ça qui mal. Une génération qui pas qu'on apprécié. Une génération qui pas qu'on salvelé, qui pas qu'on salap cherché. La génération
du temps de Jésus. Jean-Baptiste menait une vie ascétique, une vie refermée. Pendant la prêcher, une parole de repentance. Yo dit Jean, yo ouais Jean-Baptiste, yo parole bien. Yo dit tête li gen les pas bon. Jésus vini, li fait grande ouverture, l'ami des publicains et des pécheurs, li manger avec yo, li rencontrer yo, li parler avec yo. Yo dit Jésus li fait avec pécheurs. Autrement dit, frère Maxime, quelle que soit façon, donc génération, c'est dans lui-même perversité aillé, donc son génération qui pas apprécier, mais plutôt cap dit ça qui mal. Et 2000 ans après, pratiquement en 2023, c'est même génération ça que nous gagnons. Et ça fait nous arriver comprendre et accepter qu'il n'y a pas de génération spontanée. En même temps, l'histoire est cyclique, non linéaire. C'est même bagaille qu'a reproduit. Génération 2000 ans avant nous, c'est génération ça que nous gagnons. Une génération côté que ou pas ouvri ak moun, yo di ou intéressant, yo di ou pran pozou. Une génération kote ou fè ou avec tout moun, yo di yo pa comprendre pe sa, yo pa comprendre nèg sa, parce que li nan tout sos, quel que soit jan ou positionné ou, quel que soit jan ou ap agi, quel que soit jan ou mette pied ou, li fort difficile pour joindre compliment, sinon que de pour dire que moun sa yo pas comprendre ni. Maintenant, est-ce que avec un jugement ça ou du moins façon que moun yo te wè Jésus, est-ce que ça te découragé dans travail là? Du tout pas. Ça qui est essentiel et fondamental, c'est agir bien, faire bien et puis advienne que pourra. Et Saint Augustin lui dit nous aime et fait ce qu'on veut. Donc c'est agir dans le bien, dans la droiture, toujours pendant à garder le juste milieu, parce que la vertu est dans le juste milieu. Donc, sa monde, sa génération a dit de nous, compréhension, yo, jugement, yo, faut comprendre que jugement, yo, pas positif, parce que nous gagnons une génération qui pas apprendre à apprécier valeur, apprécier ça qui est bon. Donc, en nous, continuer à avancer, n'en faire ça qui est bien, n'en faire ça qui est bon, sans tenir compte des jugements de la génération de notre temps. Et c'est ça, Jésus t'a fait, il t'a avancé. Et c'est ça que l'irrelait nous, toutes nous chaque, pour nous faire. On nous avance dans la droiture, on nous avance dans faire ça qui est bon, on nous avance dans faire ça qui est bien, et c'est ça. Bon Dieu, lirez-les-nous pour nous faire jolia et pour tout temps guettant. Amen. C'est pour nous porter. Si t'es là, c'est pour nous faire vivre. C'est pour nous porter.
prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos offrandes et nos humbles prières. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout puissant, par le Christ notre Seigneur, car il est déjà venu, en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions de la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Hosanna, vive bon Dieu dans ciel là. Hosanna, vive bon Dieu dans ciel là. Ciel là avec tes âmes, à chanter merveille ou fait. Hosanna, vive bon Dieu dans ciel là. Hosanna, vive bon Dieu dans ciel là. Hosanna, vive bon Dieu dans ciel-là. Hosanna, vive bon Dieu dans ciel-là. Puis-tu la cavinio, au nom bon Dieu grand maître-là. Hosanna, vive bon Dieu dans ciel-là. Hosanna, vive bon Dieu dans ciel-là. Qui est vraiment saint. Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles de ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez, et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous. » Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Monseigneur Max Leroy et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur les personnes qui se confient à nos prières, Clara, Régine, Théodore et ses filles. Sur la promotion, la 18e promotion de la police nationale, sur les personnes qui célèbrent leur anniversaire de naissance, Bruni Pierre, Calix Jean-Eddy, Sœur Micheline Célisma, Célestin Bazelet, Lucienne Roselien, Margaret Despoins-Jabrun, Nadia Félix, Orgela Marguerite Rose Gaël, Richard Lovenard, Samuel Silus, Vital Darly, Yannick Desrosiers, sur les bienfaiteurs et bienfaitrices de la paroisse, sur chacun et chacune de nous. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, et les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur en soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Jésus-Christ, mon bon Dieu, il est tes péchés sous terre, t'en prie pitié pour nous. Jésus-Christ, mon bon Dieu, il est tes péchés sous terre, t'en prie pitié pour nous. Jésus-Christ, mon bon Dieu, il est tes péchés sous terre, apprends-nous vivre ensemble, apprends-nous. Apprends-nous bien vivre ensemble, apprends-nous bien vivre ensemble. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde.
Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Corps et le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Pour la vie, pour la vie,
chaud, vraiment où s'en parler. Pour toutes les étoiles au ciel, pour soleil à glanis, pour toutes bêtes dans la mer, pour oiseaux qu'à voler. Mais si grand-mère, tout est belle ou ferme, par cette nourriture spirituelle, nous te supplions, Seigneur, quand nous participons à ce mystère, apprends-nous à évaluer avec sagesse les réalités de ce monde et à nous attacher au bien du ciel par le Christ notre Seigneur. Amen. Nous souhaitons de joyeux anniversaire aux personnes qui célèbrent l'anniversaire de naissance. Alors, si quelqu'un qui a célébré qu'il a, est capable d'avancer, pour nous continuer, souhaiter le joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire de naissance à Bruni Pierre, Calix Jean-Eddy, Sœur Micheline Célisma, Célestin Baselet, Lucienne Roselien, Margaret D. Jabouin, Nadia Félix, Orgela Marguerite Rose Gaël, Richard Lovenard, Samuel Tillus, Vital Darly, Yannick Desrosiers. Annonce, sorti 16 pour arriver 24 décembre, c'est neuvaine à l'enfant Jésus. Nous encourager, nous faire neuvaine. Sorti 18 pour arriver 20 décembre,
Noël solidarité avec les malades. 21 au 22 décembre, confession pour les fidèles. 26 décembre, Noël de partage avec les pauvres, les démunis. 28 décembre, Noël de partage avec les enfants. 28 décembre, c'est fête des saints innocents. Et 31 décembre, Noël avec les aînés. Donc, grand mounio, certainement, puis grand yo. Alors, clergé paroisse là, ce m'a fait mieux compter sous prière nous, compter sous générosité nous, compter sous participation nous, pour être capable de continuer porter soutien pour plus de monde et à plus de monde. Par contribution nous, dans la façon nous capables, en espèce ou bien en nature, ça veut dire qui ça? Nous capables de faire ça, nous gagnons, de faire corps, de faire du riz, poids, maïs, l'huile, et boisson, et sardine, la rançon, jouette pour tout le monde, tout ça que nous capables de faire, c'est l'occasion pour nous faire ça, pour que les paroisses soient lui-même les capables d'organiser ou du moins réaliser ensemble d'activités. Ça y est. Donc, les paroisses là, comptent en pile sur participation, nous, collaboration nous, et prière. Nous disons merci à nous chacun, nous toutes. Merci à l'équipe qui était animée. Merci à les techniciens, les musiciens. Et merci à Frère Noudadi. Et merci à les techniciens radio, télé, Altagrace. Encore une fois, nous souhaitons à toutes les personnes qui célèbrent leur anniversaire, spécialement à notre sœur Micheline, de joyeux anniversaires. Et maintenant, mettons-nous debout pour recevoir la bénédiction finale. Réjouis-toi, Marie, le Seigneur est en toi. Grâce, l'amour t'a pas, tu es immaculé, conduis-nous dans l'amour et la paix, réjouis-toi, réjouis-toi, Marie, le Seigneur. Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Sœurs et frères bien-aimés, bonne et agréable journée. Merci beaucoup. Parmi les hommes.